Bon les gars, il doit être un peu plus de 7h du matin, on part au vélo, hein. Donc petite lunette, petit casque, tu connais hein, la base, toujours la sécurité. Un petit haut parce qu'il a l'air de faire bien froid à l'extérieur. Déjà, on sait qu'on va pas prendre la flotte. Et c'est parti. C'est quand même beau quand tu sors, hein. Ça donne envie. Hein. Cette belle lumière. Allez, on est parti pour 40 km. Avant de partir, je vais quand même te présenter la bête. Un bon Rock Rider 540 acheté il y a, je sais plus, 5-6 ans. Donc en janvier, le but c'est de changer le vélo. Même à Noël, tu vois, si tu veux savoir. Donc si jamais tu as des avis, si tu peux me conseiller au niveau vélo, moi déjà, je veux un vélo avec un cadre carbone, ça c'est obligatoire. Mais dis-moi en commentaire ce que t'en penses et ce que tu me conseilles d'acheter. Bon les gars, ça va faire 5 minutes que je suis parti, même pas. Donc n'hésitez pas du coup à me conseiller en commentaire qu'est-ce que je dois acheter pour Noël au niveau vélo. Sachant que le mien, tu vois, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Il n'a jamais crevé mon gars. Jamais en 5 ans. Pas une seule crevaison. Donc j'ai de la chance, j'espère que avec le prochain ce sera pareil, sachant que là c'est pas le même dieu, hein. Tu vois, un Litwin Rock Rider 540 qui doit être dans les 600 balles, bon maintenant je vais passer au cap au-dessus, tu vois, donc un truc en carbone, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais on doit bien y mettre 1005, vas-y, pas trop, t'as vu. Moi je fais une rotation, moi je suis le cycliste du dimanche, t'as vu? Allez, on continue. Bon, je vais m'arrêter vite fait. On va mettre le GPS parce que je vais aller boire un café vite fait au magasin d'un client. Petit café avant de repartir. Là, j'ai fait un peu plus de 10 km pour commencer. J'ai vu des belles lumières et tout. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. Donc, on va continuer. On va aller boire un petit café. On se retrouve après. Bon, on est reparti. Là, je suis plus en ville. Donc, on va faire de la nationale. Comme tu vois, on croise des voitures, c'est un peu chiant. Belle Porsche. Mais voilà, c'est pour ça que je reste en VTT. C'est pour ça que si vous me conseillez mon vélo, question de vélo, c'est VTT. Comme ça, je peux faire un peu de tout. Voilà, on continue. Parce que c'est encore 30 bornes. Allez, donnez du courage. Abonnez-vous à la page, à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Et du coup, donnez-moi quelques conseils en commentaire. Un bon moment. Il faut savoir que c'est ma troisième sortie. Donc première sortie 17 bornes, deuxième 30 et la troisième, on est parti pour 40. Donc du coup, j'ai pas encore les jambes courtes, ce qui fait que même sur du faux plat, oh, c'est chiant. Ça les gars, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de vidéo. Si je peux continuer à en faire. Et en tout cas, ça donne de la force pour la suite. En tout cas, moi, ce temps comme ça, où on voit rien, je kiffe. Un peu froid quand même. C'est pour ça aussi que je suis fan de ces sorties de vélo. C'est que tu vois, tu fais un peu de route. Tu as un peu de sous-bois, tu vois. Appelle ça comme tu veux. Donc tu vois, c'est carrément cool. Après, je pense que j'ai organisé des petites sorties
à plusieurs. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être une bonne idée, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis content, je viens de passer la barre de 30 km, ça va, je suis plutôt à l'aise. Et en plus, ça fait juste un peu plus d'une heure et demie que je roule, donc au niveau timing, pas trop dégueu. Attention, je vais passer devant la meilleure salle de Grenoble, un studio de coaching de dingue, où vous pouvez changer physiquement. Et voilà, je viens de passer la barre des 40 km, 2h03, je pensais avoir fait, j'étais parti pour 2h15, donc 2h03 c'est nickel, allez, on rentre vite fait.